C'est un antisémitisme qui vient essentiellement d'une partie de la population musulmane. Il y a un antisémitisme venu des banlieues islamisées. Il y a un antisémitisme couscous. Nous avons importé massivement une population qui était anti-juive depuis 1000 ans et qui le continue de l'être. Le climat d'insécurité qui existe et puis l'antisémitisme, tout ce contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui plongés, il est dû à une politique migratoire incontrôlée depuis 50 ans. 6 millions de musulmans, il y a 600 000 juifs. Quand vous êtes français et juif, vous êtes étranger dans votre propre pays. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Le but des islamistes, c'est de faire croire qu'il y a une persécution des musulmans.